Coucou Calice, je vois tes petits doigts. Tu étais cachée. Comment ça va aujourd'hui, ma petite pupuce? Ça va bien. Bien, bon, alors aujourd'hui, nous avons 4 œufs surprises. Ce ne sont pas des chocolats, mais il y a des surprises. Un violet, un blanc, un jaune, un orange. Alors, on va commencer par le violet, par exemple. Allez, c'est parti. Oui, bravo. Waouh, c'est une sorte de petit poney, on va dire. Hein, ou bien un petit poney, un petit cheval. Oui, un petit cheval à la queue rose avec un peigne. Ça sert à quoi le peigne? À le peigner et à la coiffer. Non, Oui. à la coiffer et à la peigner. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Ça, c'est chouette. Il est joli, le petit poney. Je vais le coiffer un peu. Tiens, prends-le. Et maintenant, on fait l'autre? Oui, on fait l'autre. Allez, tiens. Fais celui-là. Tu fais celui-là? D'accord, fais celui-ci. Par contre, celui-ci, il faut le mettre dans quoi? Dans l'eau. Exactement, dans un verre d'eau. Allez, ouvre-le. Thierry? Oh, il a sauté. Et voici un Note de dinosaure. joli verre d'eau. Alors, vas-y, non le. Oui, vas-y, doucement. Il est plus gros. Ouh, il fait des bulles, vas-y, enfonce-le encore. Ah non, c'est bon. Ouais, il s'enfonce, c'est rigolo, il fait des bulles. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf, Calice? Je sais pas. Tu sais pas? Eh bien, écoute, normalement, on verra dans quelques heures, donc à la fin de la vidéo, on verra ce que ça donne. Et voici le suivant. Un Citre. œuf tout jaune. Je crois que celui-là est très rigolo. Bon. Voilà. Ça commence? Voilà la pâte. Et ça y est. Maintenant, tu peux l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf rigolo? Je sais pas. Un quart. Il est dur. Hop, ça y est. T'as plus qu'à l'ouvrir. Vert. Berk, qu'est-ce que c'est que ce truc? Calice! Mais qu'est-ce que c'est que ce C'est dur. truc? Oh, mais on dirait une grosse crotte de nez. Oh, on dirait un gros Mickey. Il n'y a pas que ça, il y a peut-être autre chose dedans. Oh, ah non, c'est dégoûtant, Calice. Ah, c'est dégoûtant. Il y a quelque chose? Ah non, c'est quoi? Ah, mais on dirait un animal. Qu'est-ce que c'est comme animal? Mais Ah, mais c'est un dinosaure. drôle de dinosaure. Attends, je vais le montrer. Waouh, il est beau ce dinosaure. Il dirait un vélociraptor. Mais non, Si, il a. vélociraptor, les trucs très rapides. Ah, il est joli. Non, Mais j'étais dans un truc dégoûtant. Waouh. Tu vois? Ah non, c'est vraiment dégoûtant, Calice. Ah non. Ah, tiens. Je crois que tu as gagné le droit d'ouvrir ton quatrième œuf. Donne-moi ce truc dégoûtant. Oh non, non. C'est très rigolo, effectivement. Alors, je pense qu'il y a un Playmobil à l'intérieur. Même plus qu'un Playmobil. Oh, Bravo, bravo, ça a Calice. sauté. Ça a sauté. Celui-là, il est gros. Hein. C'est quand même un gros œuf. C'est le plus gros de cette vidéo. Il est haut. Oh, Calice, tu as failli m'agresser. Quoi? Tu m'as agressé. Non, tu l'as pas fait exprès. Alors, qu'est-ce que c'est?
Un peu d'huile, bien sûr. Un peu d'huile, on dirait une indienne. Tout simplement, une indienne. Comme sur l'image. Waouh! Oh, il y a même des petits ratons laveurs. C'est très rigolo. C'est mignon, les ratons laveurs. Non, effectivement, il n'y a pas de trou. Donc, on verra peut-être que ça se mêle. La jolie indienne. Joli raton laveur. Et un deuxième raton laveur. Je crois que c'est son copain. Voilà. Ou son frère. J'ai encore de la pâte dégoûtante sur les doigts, Calice. Moi aussi. Regarde. Oh non. Ta-da! Waouh. Il fallait mettre le truc bleu. Ah ben voilà, comme ça, ça tient mieux. Bravo, Calice. Elle a une jolie plume, ton indienne. Et ça, c'est le petit fan. Le petit fan qui vit dans la forêt avec les ratons laveurs et bien sûr... Les petits lapins. Le petit lapinou qui a de la pâte dégoûtante sur le nez. Et voilà, le deuxième petit lapin. Waouh, c'est chouette ça. Il y a plusieurs sortes d'œufs Playmobil. Il y a une fée, il y a un motard, il y a un vaisseau spatial. C'est quoi un motard? Il y a autant pour les filles que pour les garçons. C'est quoi un motard? Un motard, c'est quelqu'un qui fait de la moto. Alors, si on résume, qu'est-ce que tu as eu aujourd'hui? Plein de choses. Plein de choses. Tu as eu le petit poney. Tu as eu la pâte dégoûtante avec un dinosaure à l'intérieur. Tu as eu l'œuf. On va tout de suite regarder ce que ça donne qui est encore dans son verre d'eau. Et enfin, pour terminer, tu as eu Pocahontas. Bravo, Calice. Et ben voilà. C'est une belle petite vidéo avec quatre beaux œufs. Et qu'est-ce qu'on dit à nos petits copains qui regardent la vidéo, Calice? Au revoir! Au revoir! À bientôt! Pour une prochaine vidéo! Alors, où est-ce que ça en est avec cet œuf dinosaure qui est dans l'eau? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Eh bien voilà, ça fait quelques temps déjà, quelques heures même, qu'il est dans l'eau. Nous allons pouvoir regarder ce que ça donne. Vas-y, mets-le sur le torchon. Alors, avec tes deux doigts, essaye de le casser. Ah, je savais bien. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que c'est dégueu. Bah, c'est dégueu, c'est un bébé dinosaure qui est dans l'œuf, Calice. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, c'est un petit bébé dinosaure qui va naître. Et qui va grandir? Ouais, oh, il a l'air tout dégueu. Waouh. Bah, c'est comme quand tu épluches un œuf dur, c'est pareil. Sauf que là, ça se mange pas. Oh, mais il est tout mimi, ce bébé dinosaure. Qu'est-ce que c'est, ça? Bah, c'est un bébé dinosaure. Je sais pas, ça, c'est le placenta du dinosaure. C'est quoi? Mais le placenta, c'est là où les bébés sont avant de sortir du ventre de leur maman. Autant pour les êtres humains que pour les animaux. C'est dégueu. Ça coule. Ça aïe coule. Ça fait mal. Fais-le bien sur le torchon. Ça fait mal, ma puce. Fais doucement. Ça fait pas mal. Oui. Oh, le bébé dinosaure, il est né. Bah, tu t'essuies sur le torchon, essuie-toi sur le torchon, ma puce. Et moi, pendant ce temps-là, je vais montrer le bébé dinosaure. C'est vrai qu'il est un petit peu gluant. Il glisse. Il glisse. Papa, il va m'échapper des mains. Oh, les ricolos, les petits bébés dinosaures. Bon, les ricolos, ils glissent. Abonne-toi à ma chaîne, ça serait trop cool.